Hello people, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Donc people, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Hello people, on va commencer par le petit café. Les assiettes sont recyclables et c'est en carton, c'est pas en plastique, donc ça c'est bien, c'est pas mal. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. Donc people, dans cette vidéo, on va pas découvrir une nouvelle ville, mais on va plutôt découvrir un plat typiquement portugais. Et voilà, c'est parmi les essentiels au Portugal. Tout le monde adore ce plat. On parle de francesinha. Visuellement, le plat, moi personnellement, ça me paraît un tout petit peu bizarre parce que la sauce, elle est orange, pas jaune, pas rouge, elle est orange. Le goût est un tout petit peu différent, il est un peu fort aussi. Donc, on va essayer. Depuis 2 ans, je suis au Portugal et je ne l'ai pas encore essayé. Donc, j'avais pas de la force, j'avais pas du courage. On va essayer ça ensemble. Francesinha, en fait, people, ça veut dire en portugais la petite France ou la petite française. Donc, c'est inspiré du simple sandwich croque-monsieur, mais à la portugaise, on va dire, avec une sauce portugaise et des ingrédients aussi portugais. C'est le point de non-retour, people. C'est bon, Francesinha sera prête dans quelques minutes. Et voilà la fameuse francesinha. Un peu d'histoire, people, en fait, ça débute dans les années 60 où un Portugais immigré en France nommé David da Silva a dégusté un croque-monsieur dans une cafétéria en France. Créatif, il a donc décidé d'innover ce plat, qu'il trouvait classique d'ailleurs, en lui apportant une véritable touche portugaise. Et la version portugaise est beaucoup plus consistante que la version française. N'oubliez pas que francesinha est parmi les 10 meilleurs sandwichs au monde, people. Pour faire simple, people, et je sais que chacun a ses goûts et ses envies. Donc pour moi, la francesinha, c'était la première et la dernière fois. C'était une très, très, très mauvaise expérience. J'ai pas du tout aimé la sauce. Trop de viande. Pas aimé, people. J'ai pas aimé. J'arrive chez moi, people, après l'expérience de la francesinha. Donc je me prépare rapidement une petite bonne tisane pour la digestion. Et je vais vous parler de mes achats littéraires de ce mois-ci. Thank you.
People, on va commencer par le journal de gratitude. En fait, c'est une manière de valoriser les belles ou bonnes choses dans notre vie. Donc, moi, je voulais essayer. Donc, j'ai pas l'habitude d'écrire dans un journal de gratitude. C'est la première fois. Et donc, je vais essayer. Il y a La consolation de l'ange à Frédéric Lenoir. Il y a le livre de Joël Dekker, L'énigme de la chambre 622. Donc, pour ceux qui connaissent pas Joël Dekker, c'est un écrivain suisse. Et voilà, people, c'était ma petite expérience et mon petit partage de la semaine. Donc, je vous dis à la prochaine!